Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, très bien, même si vous l'avez pas demandé, c'est pas grave, je vais bien. Donc aujourd'hui, ma chaîne devient une chaîne de crash test. Mais non, je rigole, ça restera fitness, etc. C'est juste qu'aujourd'hui j'ai envie de... J'ai envie de tester un produit que j'ai reçu gratuitement. Je ne suis pas payée du tout pour le faire, hein. Je suis pas payée. De toute façon, on est obligé de le dire, hein. Mais ce produit m'avait l'air rigolo, donc j'ai voulu le tester sur ma chaîne YouTube. Donc, on va tester ça ensemble aujourd'hui. Je vais me munir aussi d'un verre d'eau et d'un bol, parce que vous allez voir, c'est un produit assez... Voilà quoi. Aujourd'hui, nous allons tester le produit Carbone Coco pour le blanchiment des dents. Super! Allez, c'est parti! Donc, je vais pas vous le cacher, je l'utilise toujours dans ma salle de bain, dans mon bain, etc. Je l'utilise tout le temps ce produit. Je l'adore. C'est pour ça que j'en parle sur ma chaîne YouTube, sinon j'en parlerai pas du tout. C'est juste que là, je veux tester avec vous, tout simplement, pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, comment c'est, etc. Donc, j'ai reçu la petite poudre de Carbone Coco. Donc, ça, c'est une petite poudre au carbon. Au carbon? Oui, bien sûr. Au charbon. Voilà, c'est tout noir comme ça. On trempe la brosse à dents à l'intérieur. J'ai reçu la brosse à dents, hein, pour pas défoncer la mienne, j'ai envie de te dire, parce que ça reste noir, hein. Et ensuite, le dentifrice. Aïe, je me suis défoncée. Donc, faut tout d'abord faire ça pendant 3 minutes, et ensuite faire ça 3 minutes. Voilà, donc on va se faire ça ensemble. Donc, je vais tremper ma petite brosse à dents dans mon verre d'eau. C'est parti. Et je vais la tremper aussi dans le charbon au coco. Donc c'est des produits naturels apparemment. Hein. Le mail est en anglais, j'ai rien compris. J'ai vu que c'était ça, je voulais tester. J'ai dit oui, hein. Je vais pas vous le cacher. Donc c'est parti, je vais mettre mon bol juste en dessous parce que je sens que ça tâche. Vu que je fais ça dans mon bain, voilà. Hein. Donc c'est parti, je vous dis tout en détail. Donc déjà c'est pas très agréable, j'ai envie de vous dire. On dirait que t'as du sable dans la bouche. Et tu ressembles à une sorcière. Voilà. Et ça n'a pas un très bon goût. 3 minutes later. Moi, j'ai pas besoin du générique, je le fais toute seule. Je parle comme une mongole. Ah, mais on dirait que je suis un monstre. Je crache du noir. Bon, je vais me rincer la bouche, là, avec le verre d'eau. J'ai mis de l'eau partout. J'en ai un peu partout par terre. Là, Zozo est en train d'aller lécher. Zozo, tu fais pas ça, s'il te plaît, merci. Donc, je sais qu'avec le petit charbon, etc., il y a souvent un peu de noir qui se met un peu dans les gencives, mais ça, ça s'enlève au fur et à mesure. Faut bien se laver les dents après avec le dentifrice. Et aussi, ça enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup le tartre en bas des dents et en haut des dents, hein, là où il y a la gencive, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, on va utiliser ça. Je l'ai à l'envers. Voilà. Le Carbone Coco. Donc, ça, c'est le dentifrice Activate Charcoal Toothpaste. Un petit like toujours pour mon accent anglais. Zozo qui ronfle en même temps. J'adore. C'est parti mon kiki. Zozo, ça a l'air trop bon. C'est noir toujours et c'est parti. Donc ça, ça a le goût d'un dentifrice à la menthe. Pendant 3 minutes. J'ai une tête de folie. Hein. Et on rince. Je suis une fontaine à eau. J'ai oublié un torchon. Je suis un monstre. J'ai du sang noir qui coule. Oui, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux lécher? Sauf que ça va te défoncer la gueule, ça, la menthe. Voilà, je me suis essuyée. J'ai pas regardé la caméra. Peut-être qu'il m'en reste partout dans la bouche, mais c'est pas grave. Donc, le dentifrice, ça, c'est largement, largement, largement plus agréable que le Carbone Coco, là. Le Carbone Coco, ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, j'adore. Moi, j'utilise tout le temps. Et j'ai vu une nette amélioration, mais c'est sur le long terme. Voilà, ça va pas être comme les lumières UV, etc. Lumière UV? Oui, c'est ça. Les lumières UV où ça met, vous mettez ça dans votre bouche comme Bibrayance ou je sais pas quoi. C'est une cure de 28 jours, je crois. Vous faites ça pendant 28 jours. Et c'est des produits naturels. Donc, je pense que c'est un peu mieux d'utiliser ça que les lumières avec le produit, etc. Vous savez pas ce que vous mettez sur vos dents. Donc, je préfère largement ce petit produit. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous avez envie. Je sais même pas si j'ai un code promo ou pas. Faudrait que j'aille regarder le mail. Donc, je vous mets ça en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein? Et je vous fais d'énormes bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Surtout. C'est très important. Allez, ciao, bisous.